C'est du futur métro est en Y. Gare Saint-Jean, Victoire Quinconce. À partir de cette place, deux directions, l'une sur Bordeaux-Nord, l'autre sur le centre hospitalier. Sur ces axes, transitent annuellement par bus 15 millions de passagers. L'étude de l'avant-projet a été confiée à la société Matra. Cette entreprise a déjà réalisé, entre autres, le métro de Lille, le Val. Mais les avis divergent sur ce moyen de transport. Pour ses adversaires, favorable au tramway, il est coûteux, mal adapté aux villes moyennes. Mais c'est surtout le tracé qui suscite le plus de controverses. Ainsi, la CGT estime que les banlieues ouvrières ont été oubliées. Je pense qu'il s'agit essentiellement d'une tentative de valorisation du centre-ville de Bordeaux qui s'appuierait sur un certain nombre d'opérations à caractère spéculatif dans la perspective de l'Europe de 92 et non de répondre aux besoins des gens. Oui, donc un métro à Bordeaux, oui. Mais avec un autre projet. Voilà, exactement, et surtout un projet qui serait concerté avec les populations, discuté, élaboré avec l'accord des populations. C'est le 23 juin 1986 que Jacques Chaban-Delmas annonçait le creusement du métro. Par crainte d'une trop forte augmentation de la taxe transport, les patrons bordelais, d'abord réticents puis rassurés par Chaban, accueillent dorénavant favorablement le projet. La Chambre de commerce de Bordeaux est favorable à ce projet. Sur un plan de principe, d'abord, car il trouve que ça fait partie des éléments structurants d'une métropole qui se moderne internationale. Et sur un plan très concret, nous pensons que ça peut faciliter le développement économique et notamment le développement commercial du centre-ville. Ceci étant, il ne faut pas oublier pour autant de desservir des points très importants qui sont l'aéroport international, la gare de Bordeaux-Saint-Jean et Bordeaux-Lac où se tiennent tous les congrès et manifestations importantes à Bordeaux. Premier coup de pioche, il devrait être donné en 1990. Durée des travaux, 4 ans. Pour financer ce métro, la facture s'élève à près de 4 milliards de francs. Mais les 11 km du tracé ne seront pas supportés par les seuls Bordelais. Ce sont les 200 000 foyers fiscaux des 27 communes de la Cube qui paieront. Une augmentation de la pression fiscale de 7% est prévue entre 1996 et 2012. Demain, selon toute vraisemblance, le Val sera adopté par l'Assemblée de la Cube et les partisans du tramway perdront une bataille.